La saison 2023 de Fort Boyard, la 34e du nom, sera programmée tout au long de l'été le samedi soir sur France 2 avec Olivier Mine. Télé Loisirs fait le point sur les nouveautés qui s'annoncent pour cette nouvelle cuvée. Cap sur Fort Boyard 2023. L'emblématique Fort de France 2 rouvrira ses portes dans les prochaines semaines, toujours menée par Olivier Mine et par le père Foura. L'enregistrement des numéros a eu lieu au début du mois de mai avec comme chaque année son lot de nouveautés et de candidats qui pénétreront dans Fort Boyard pour la première fois. Télé Loisirs vous propose un tour d'horizon des enjeux de cette nouvelle saison. Fort Boyard 2023, quand a commencé le jeu de France 2? À quelle heure et quel jour est diffusée l'émission? Qui va présenter Fort Boyard 2023? La date du retour de Fort Boyard sur France 2 a été dévoilée. Le samedi 1er juillet 2023, les téléspectateurs pourront retrouver l'émission pour 9 primes. Cette année, il y aura bien de nouveau une deuxième partie de soirée. Le jeu devrait donc prendre fin logiquement le samedi 3 septembre. Les épisodes seront vraisemblablement disponibles en replay sur France TV. Attention, l'émission ne sera pas diffusée samedi 19 août mais exceptionnellement jeudi 17 tout en raison des championnats du monde d'athlétisme. Quand est tourné Fort Boyard? Le jeu de France 2 a été tourné au mois de mai 2023, du 6 au 19. Fort Boyard 2023, les nouveaux atouts du père Foura. Cette saison 34 sera baptisée les nouveaux atouts du père Foura et fera donc suite aux 9 atouts du père Foura programmés pour la première fois l'année dernière. Le personnage friand d'énigmes sera le maître du jeu avec à sa disposition des armes secrètes, symbolisées par des cartes, qui permettront de changer les règles du jeu de chaque émission. Si certains atouts de 2022 seront de nouveau de la partie, la production, qui refuse de communiquer sur le nombre précis d'atouts attendus, va en introduire 4 nouveaux. Il y aura ainsi l'atout de l'affrontement au cours duquel, pour la première fois dans l'histoire de Fort Boyard, deux équipes composées de 4 candidats chacune s'affronteront sur les épreuves. Leur composition sera décidée par tirage au sort. Seule une des équipes aura accès à la salle du trésor pour l'association dont elle défend les couleurs. L'autre équipe aura droit à un gain de consolation. L'atout secret du père Foura verra un candidat être la taupe du maître des lieux. Équipé d'une oreillette, il devra répondre aux ordres du personnage sans éveiller les soupçons de ses coéquipiers. S'il parvient à terminer l'émission et l'émission sans se faire démasquer, son équipe décrochera un bonus de 3000 euros au profit de son association. L'atout du maître du temps, comme son nom l'indique, le père Foura pourra au cours de ce numéro spécial manier le temps à sa guise. La mécanique du temps fractionné verra tous les membres d'une même équipe se relayer dans une cellule. Ils pourront aussi être contraints de refaire la même épreuve une deuxième fois. En fil rouge tout au long de l'émission, lorsqu'une sirène retentira, un volontaire devra se rendre en moins de 30 secondes dans la vigie pour appuyer sur un buzzer. S'il n'y arrive pas, il sera directement transféré en prison. Et ce ne sont que quelques exemples d'une émission qui s'annonce riche en surprises. L'atout maudit du père Foura lui permettra de lancer des malédictions pendant toute l'émission. Des sortes de gages comme la cellule maudite qu'il faudra absolument réussir pour passer à la suite du jeu. Il s'agit d'une variante enrichie de l'atout du candidat maudit proposé en 2022. Fort Boyard 2023,
De nouveaux personnages arrivent sur le fort. Une seule nouvelle arrivante intègre Fort Boyard en 2003, Passe ou ça casse, initialement appelée Mauvaise Passe avant d'être renommée, incarnée par la comédienne Stéphanie Lorset. Contrairement à Passepartout et à Passe-Muraille, il s'agira d'un personnage maléfique, qui animera la nouvelle épreuve des catacombes, voir ci-dessous. Mauvaise Passe croisera notamment Cyril Gosbeau, incarné par Cyril Ferraud. Toujours situé dans le débarras du fort, il soumettra les candidats à un test de connaissance de Fort Boyard. Ceux qui répondront mal seront plongés dans du slime. De son côté, Willy Rovelli reprendra son rôle de shérif et donc de gardien de cellule. Delphine Vespizer sera présente avec ses deux rôles, blanche et rouge. Et le père Foura, fidèle au poste, posera de nouveau ses célèbres énigmes. La boule, à qui Yves Marchessault a prêté ses traits entre 1994 et 2013 avant de décéder en 2014, fera place à un tout nouveau personnage sur le fort, son cousin. Héros muet caractérisé par son Marcel bleu océan, la boule avait pour principale mission d'actionner le gong de Fort Boyard. Pour interpréter son cousin, à qui la production n'a pas attribué de nom, le choix s'est porté sur l'acteur Emmanuel Doran. Chauve et costaud comme son modèle, il portera la même tenue. Fort Boyard saison 34, quelles sont les nouveautés et les épreuves inédites du jeu de France 2? Il y en a 4 cette année. Le flipper, une épreuve inspirée du célèbre mur glissant, mais cette fois le candidat se retrouvera dans un décor de flip et géant. La clé sera située tout en haut. Ce jeu se déroulera à deux, ce qui permettra de varier les stratégies. Les planches de pirates, dans un univers de bateaux pirates, le participant devra passer de planche en planche pour essayer de récupérer la clé située au bout de la troisième planche, sans tomber dans l'eau. Ces planches seront bien sûr piégées avec par exemple des planches vibrantes. L'horlogerie, une cellule à tournette dans l'esprit du célèbre percolateur. Le candidat devra remettre les pendules à l'heure pour obtenir la clé. Les catacombes, un univers effrayant dans lequel évoluera le nouveau personnage de Mauvaise Passe. Si y est-il une épreuve qui se jouera à deux, un candidat enfermé dans une cage devra résoudre un puzzle les mains au milieu des serpents. Un autre candidat sera le maître du temps. La main sur une manette, il sera allongé dans un tombeau dans lequel il subira le supplice des catacombes, marqué par une invasion de serpents. S'il a le malheur de relâcher la manette, l'épreuve sera finie et le candidat dans la cage sera fait prisonnier. Pour le plus grand plaisir de Mauvaise Passe, Fort Boyard 2023, quelles seront les équipes de célébrités qui vont participer à l'émission d'Olivier Mine ? Voici les noms des personnalités qui se frotteront aux épreuves du père Foura dans cette édition 2023 de Fort Boyard et la constitution des équipes. Équipe 1, diffusion samedi 1er juillet, Nathalie Péchala, Frédéric Bousquet, Robert Pires, Paul de Saint-Sernin, Anne Silla, Johan Huget. Équipe 2, diffusion samedi 8 juillet, Vianney, Maeva Cook, Joe Wilfried Tsonga, Laure Boulot, Alexis Michalik, Az. Équipe 3, diffusion samedi 15 juillet, Kinu, Elodie Gossuin, qui va battre le record historique de participation, Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Adeline Toniouti. Équipe 4, diffusion samedi 22 juillet, Indira Ampio, Pierre-François Martin Laval, Karima Charny, Damien Thévenot, Nicole Ferroni,
Caroline Margeridon, Mathieu Pillard, Romain Dauduic. Équipe 5, diffusion samedi 29 juillet, Camille Lacour, Vaimalama Chavez, Nicolas Fleury, Clémence Castel, Steven Da Costa, Clarisse Agbenienou. Équipe 6, diffusion samedi 5 août, Philippe Etchebest, Thomas Veuclé, Diane Ler, Claude D'Artois, Clara Lazari, Julien Lemarec. Équipe 7, diffusion samedi 12 août, Brahim Asloum, Elsa Fayer, Fred Musa, Yasmine Oui, Jordan Mouyurak, Théa Youra. Équipe 8, diffusion jeudi 17 août, Sylvie Tellier, Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi, Yanis Marshall, Cédric Doumbé. Équipe 9, diffusion samedi 2 septembre, Laetitia Milo, Amaury Vassili, Isabelle Morini-Bosque, Magali Ripoll, Nicolas Waldorf, Thomas Ramos. Fort Boyard 2023, argent gagné, candidat terrorisé. Les résumés des primes Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 1er juillet avec l'équipe de Nathalie Péchala, la danseuse sur glace Nathalie Péchala, le nageur Frédéric Bousquet, le rugbyman Johan Huget, le footballeur Robert Pires, la chanteuse Anne Silla et l'humoriste Paul de Saint-Cernin ont été les premiers à pénétrer dans Fort Boyard pour sa 34e saison. Comme cette édition est placée sous le signe des atouts du père Foura, les candidats ont affronté plusieurs cadeaux à empoisonner, thème de la soirée. Robert Pires a décroché sa première clé dans la banque, Frédéric Bousquet a inauguré la nouvelle version du Temple de la Destinée et Paul de Saint-Cernin a impressionné en remportant la cellule de l'araignée, qui n'a pourtant habituellement que 31% de réussite. L'humoriste a également pu se faire aider par un ami sur l'énigme du père Foura. De façon encore plus spectaculaire, Nathalie Péchala a demandé à continuer l'épreuve de la cloche, même Olivier Minenet ne revenait pas. À l'issue de l'émission, l'équipe a pu accéder à la salle du trésor après avoir rassemblé les indices suivants, compte, sueur, rosée et pluie. Le mot-code qu'il fallait trouver était goutte. Ils ont ainsi pu récolter la très jolie somme de 12 218 euros, sans oublier les 1000 euros supplémentaires gagnés lors de la deuxième partie de soirée animée par Willy Rovelli. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 8 juillet avec l'équipe de Vianney Siesti peut dire que ce second épisode était attendu par les fans de Fort Boyard, puisqu'il signait le grand retour de Vianney. Face aux énigmes et aux épreuves du père Foura, le chanteur était aux côtés de Joe Wilfried Tsonga, mais aussi de Laure Boulot ou encore de l'ancienne Miss France Maëva Cook, et tous n'ont pas démérité pour remporter un maximum de clés. Mais le chef d'équipe a de son côté impressionné les téléspectateurs grâce à un parcours sans faute, ponctué dès le départ par une épreuve, celle du flipper, qu'il a remporté en 10 secondes, du jamais vu. L'émission du 8 juillet a aussi signé le grand retour d'une épreuve datant de 1990, le Bonto, avec au programme, l'affichage du logo d'Antenne 2, l'ancien nom de France 2. Opération Nostalgie réussie. À l'issue de l'épisode, toute l'équipe a pu remporter 19 514 euros, sans compter le bonus de 1000 euros grâce à Fort Boyard, toujours plus fort. Les participants ayant trouvé le mode code, plage, ils ont pu ensuite récolter les boyards sous l'œil désespéré du père Foura. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 15 juillet avec l'équipe de Kinevé, une nouvelle équipe s'est lancée à la conquête du fort. Kinu, le capitaine, a débarqué dans la compétition avec Erika Moulet, Adeline Toniouti, Jimmy Momaed et le journaliste Jean-Baptiste Marteau. Pour cet épisode inédit, le père Foura a sorti une nouvelle carte, celle de l'atout secret. Il a missionné Erika Moulet. Cette dernière a dû tout au long de l'épisode saboter les épreuves de ses camarades.
Ainsi, Élodie Gossuin a été choquée par l'attitude de l'animatrice lorsqu'elle a pris sa place pour un défiché Blanche, un des personnages campés par Delphine Vespizère. Jean-Baptiste Marteau, lui, a échoué pour la première fois sur une épreuve. L'équipe de Kinu a ensuite pu accéder à la salle des trésors. Ils ont remporté 19 172 euros, cagnotte qui a été créditée de 3000 euros grâce à la mission réussie d'Erika Moulay et de 500 euros grâce à Kinu. En effet, le capitaine a été le seul à réussir une des trois épreuves proposées en deuxième partie de soirée, dans Fort Boyard, toujours plus fort. L'équipe est donc repartie avec 19 672 euros. Une somme destinée à l'association Carl, qui lutte contre les violences faites aux enfants. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 22 juillet avec les équipes de PEF et de Nicole Ferroni pour la toute première fois dans l'histoire de Fort Boyard. Deux équipes participaient aux épreuves du Perfour à ce samedi 22 juillet. Et ce, à la grande surprise des candidats eux-mêmes, qui ignoraient qu'ils allaient être divisés avant leur arrivée, et des téléspectateurs, mitigés à en croire les commentaires sur Twitter. Les Blancs, menés par l'humoriste Nicole Ferroni, rassemblaient Karima Charny, qui n'est pas parvenue à surmonter sa peur du vide, Damien Zevenot, qui n'a pas démérité face aux bêtes du fort, et la Miss France 2023 Inodira Ampio. En fin de parcours, cette équipe a réussi à trouver le mot-clé tâche et à récupérer 12 916 euros. En revanche, le bilan est moins glorieux pour les Verts, dirigés par le réalisateur PEF. L'équipe, composée de Mathieu Pillard, Romain Dauduit et Caroline Margeridon, a échoué à cause d'une énorme erreur de l'acheteuse d'affaires conclue et s'est contentée d'un montant de consolation de 3000 euros. Dans la seconde partie de l'émission, Fort Boyard, toujours plus fort, 1000 euros supplémentaires ont été remportés. Le total des gains, soit 16 916 euros, a été réparti de façon égale entre les deux associations que défendaient les candidats, à savoir ISM et la Maison des Femmes. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 29 juillet avec l'équipe de Clarisse Agbenienou en compagnie de la chef d'équipe et championne de judo Clarisse Agbenienou, Steven Da Costa, Camille Lacour et Nicolas Fleury, respectivement champions de karaté, de natation et de VTT, ont embarqué vers le fort avec l'aide de l'ancienne Miss France Vaimalama Chavez et de la deux fois gagnante de Koh-Lanta, Clémence Castel. Si la semaine dernière, le père Foura avait dans sa manche un atout qui avait divisé l'équipe en deux, pour l'émission de ce 29 juillet, le groupe devait faire face à deux jokers mystères, interprétés par les youtubeurs Fitness Thibaut InShape et Juju FitCats. Les téléspectateurs ont d'ailleurs été invités à trouver leur identité en début d'aventure, avec des indices qui n'ont pas manqué de brouiller les pistes. Mais à l'issue de défis mettant à l'épreuve la solidité du couple formé par Vaimalama Chavez et Nicolas Fleury, l'équipe saine est plutôt bien sortie du côté de la cagnotte. En premier lieu, grâce au boyard de la salle des tigres, ce sont 10 218 euros qui ont été remportés, puis lorsque les personnalités de la semaine ont trouvé les identités des jokers mystères, 3000 euros s'y sont ajoutés. Enfin, grâce aux épreuves redoutables de Willy le shérif, ce sont 1000 euros supplémentaires qui ont fait un joli total de 14 218 euros pour SOS Préma, association spécialisée dans les naissances de grands prématurés. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 5 août avec l'équipe de Philippe Etchebest CIST, un épisode un peu spécial de Fort Boyard que France 2 proposait ce samedi 5 août. Si le public découvre habituellement autour d'Olivier Mine et Cyril Ferraud des équipes composées de personnalités, cette semaine, Philippe Etchebest avait convié un anonyme.
La production cesse d'expliquer auprès de Télé Loisirs. Une nouvelle règle a également fait polémique auprès du public, celle du boyard maudit, qui pouvait diviser par deux les gains remportés au profit d'une association. Magloire a également fait son retour pour le plus grand malheur du juré de Top Chef. À l'arrivée, l'équipe, Diane Ler, Claude Dartois, Philippe Etchebest, Thomas Veuclet, Philippe Etchebest et Julien Lemarec, a remporté la somme de 17 195 euros. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 12 août avec l'équipe de Elsa Fayer, un épisode plein de nostalgie pour Fort Boyard. Dans l'émission diffusée le 12 août, on retrouvait l'animatrice Elsa Fayer à la tête d'une équipe de sportifs et d'aventuriers composée de Brahim Asloum, Fred Musa, Yasmine Ouli, Jordan Mouirak et le candidat de pas moins de 5 éditions de Koh-Lanta, Théa Youra. Ensemble, ils ont réussi à faire face aux épreuves du Père Foura. Le plus performant reste l'ancien boxeur médaillé Brahim Asloum, qui a usé d'une technique imparable face à l'essoreuse de la laverie automatique. On a également pu voir l'épreuve qu'a vécu le danseur de danse avec les stars, Jordan Mouirak, à deux doigts de vomir face à Willy le shérif. Surtout, c'était l'occasion pour les téléspectateurs de redécouvrir de vieilles épreuves parfois oubliées, comme Excalibur et le bateau pirate au large du fort, ou des personnages devenus légendaires, comme Ratman. À l'issue d'un épisode riche en rebondissements, où les indices n'étaient pas forcément évidents, les participants de la semaine ont tout de même récolté une belle somme de 14 854 euros. Cette somme va permettre à l'association Actello de réaliser de nouveaux projets autour de l'écologie et de justice sociale. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du jeudi 17 août avec l'équipe de Sylvie Tellier exceptionnellement diffusé un jeudi en raison des mondiaux d'athlétisme, Fort Boyard recevait cette fois-ci la visite de Sylvie Tellier, qui était à la tête d'une équipe qui a tout donné pour récolter le plus d'indices possible afin de faire grimper la cagnotte pour l'association Les Bonnes Fées. L'ancienne patronne des Miss France était accompagnée d'Amandine Petit, qui a été profondément terrifiée par l'épreuve des serpents, crapauds et autres lézards, mais aussi de Théo Curin, nageur handisport, qui n'a pas démérité pour réussir à se sortir de l'épreuve de la station de métro immergée. Le duo a pu compter sur l'aide des autres candidats, Marie-Ange Nardi, Yanis Marshall et le kickboxer Cédric Doumbé. À l'issue de plusieurs sacrifices, le mot-clé a été trouvé, et a permis de récolter 7 692 euros. Qui est-il jusqu'ici la plus faible cagnotte de la saison ?